Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce 31e webinaire organisé par la PPEA. Donc, vous êtes très nombreux ce soir à être présents et à vous être inscrits puisqu'on a dépassé le nombre maximal d'inscriptions. Donc, merci à vous. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Estelle Gillot et normalement Édouard Jantaz, mais qui rencontre des difficultés à nous rejoindre. Donc, nous espérons qu'il parviendra à être présent. Ils vont nous parler des apports de la recherche sur la question des effets des écrans sur le développement des enfants. Alors, nous vous rappelons pour celles et ceux qui suivent régulièrement nos webinaires que le webinaire est enregistré et sera disponible dès demain en replay sur le site de la PPEA ainsi que le PDF du support PowerPoint. Nous précisons aussi que nous ne pouvons pas délivrer d'attestation, de formation ou de suivi pour ce format. Vous pouvez éventuellement enregistrer le mail de connexion et faire une capture d'écran si vous en avez besoin pour votre employeur. Vos remarques, vos commentaires, vos questions seront diffusées par la suite à Estelle Gillot et Édouard Jantaz en fin de présentation. Et donc, back-office, on retrouve Vincent, Louis-Adrien et Robert qui feront remonter ces questions et qui pourront déjà échanger avec vous à travers le chat. N'oubliez pas de bien cocher « Envoi à tout le monde » pour que vos questions soient visibles. Donc, nous avons 878 personnes connectées. Merci pour votre présence et puis qui viennent un peu de tous les pays. Donc, le sujet de ce soir concerne les effets des écrans. Les écrans sont omniprésents dans notre quotidien, dans tous les lieux de vie, avec une exposition de plus en plus précoce, une augmentation ces dernières années du temps d'utilisation, une diversification aussi des outils, smartphones, télévisions, ordinateurs, tablettes, consoles de jeux. La question de leur utilisation est un sujet controversé qui fait l'objet régulier d'articles, d'émissions de télévision pour en dénoncer soit les méfaits, soit en vanter les mérites. Mais qu'en est-il? Que dit la recherche sur cette question? Les recherches internationales sont assez nombreuses chez les adolescents et les adultes, mais restent plutôt rares chez les enfants et notamment les plus jeunes enfants. Or, c'est une question de santé publique et un sujet majeur. Donc, nos deux intervenants vont faire le point sur les principaux résultats des recherches et notamment des méta-analyses sur cette question et évoquer aussi quelques recommandations, notamment à destination des jeunes parents. Donc, pour présenter nos intervenants, Édouard Jantaz est professeur de psychologie du développement à l'Université de Genève en Suisse, vice-doyen de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, directeur de recherche au CNRS, directeur du centre Jean Piaget et rédacteur en chef de la revue ANAE depuis janvier 2016. Estelle Gillot est doctorante en psychologie au laboratoire du développement sensorimoteur affectif et sociale de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de Genève. Sa thèse porte sur l'effet de l'exposition aux écrans sur le développement des compétences multisensorielles et des interactions précoces chez les très jeunes enfants de 6 à 36 mois. On vous fait part aussi d'un numéro spécifique d'ANAE, le numéro 178, qui est paru en juin dernier, qui a été coordonné par Fleur Lejeune et Édouard Jantaz sur la question justement des effets des écrans sur le développement des enfants. Et nos deux intervenants ont contribué à ce numéro avec la production de deux articles. Donc, je vais maintenant laisser la parole à nos intervenants, mais en l'occurrence, Estelle Gillot, puisque malheureusement Édouard Jantaz n'a pas pu encore nous rejoindre. Donc vous avez environ, bienvenue, vous avez environ 30-35 minutes tous les deux de présentation et puis ensuite nous aurons un temps d'échange avec les questions posées par les personnes qui nous écoutent. Merci, c'est à vous. Alors, bonjour à vous. Je vous laisse partager le diaporama. Voilà.
Peut-être Estelle, c'est toi qui vas du coup gérer le diaporama, ça peut être plus simple. D'accord. Alors bonjour à tous et à toutes, désolé pour ce petit retard, mais voilà, petit problème de lien et de connexion. Donc l'idée, c'est de vous présenter un panorama des recherches qui sont conduites sur les effets des écrans au sens large et sur le développement psychologique des enfants et surtout des jeunes enfants. Alors, pourquoi on a choisi ce thème? Parce que c'est un sujet d'actualité. C'est un sujet qui fait la une des médias depuis de nombreuses années et puis qui suscite vraiment beaucoup, beaucoup de controverses dans le champ médiatique francophone et en particulier français. Vous avez tout un tas d'ouvrages, grand public, à la fois qui ont des prix, hein, par exemple de Michel Démurger sur la fabrique du crétin digital qui fait suite à son premier ouvrage TV Lobotomie, donc qui sont là du coup, qui présentent tous les aspects négatifs et les effets négatifs sur les écrans. Vous avez des ouvrages qui présentent des aspects beaucoup plus positifs, comme celui de Nicolas Poirel sur votre enfant devant les écrans, ne paniquez pas. Vous avez l'Académie des sciences qui a fait un rapport ou qui a essayé d'avoir une approche plus pondérée. Vous avez dans les médias généralistes français, dès qu'il y a quelque chose qui sort sur les écrans, eh bien, ça fait la une. Là, je viens de voir le dernier Sciences humaines, il y a encore une rubrique sur les effets des écrans. Vraiment, quelque chose de très puissant qui interroge beaucoup le grand public. Et ce qui est notable dans le paysage francophone et notamment français, c'est que c'est beaucoup d'ouvrages plus ou moins, comment dire, polémiques, plus ou moins documentés. Mais en fait, quand on regarde la littérature scientifique, il y a très peu de recherches ou quasiment pas conduites réellement par des équipes, notamment dans les pays francophones. C'est-à-dire que là, je fais une distinction très claire entre les ouvrages généralistes du grand public, donc publiés par des éditeurs, là, qui sont écrits par des chercheurs ou des journalistes, et là, ou des médecins. Et là, c'est un point de vue qui relate une partie de la littérature scientifique, mais si vous voulez, il n'y a pas eu d'expertise scientifique ou il n'y a pas eu d'expertise par les pairs, comme ça pourrait être le cas, par exemple, pour des articles scientifiques qui sont publiés dans les revues à comité de lecture. Il faut bien différencier plusieurs sources d'informations, les livres, là, on se base sur une confiance de chercheurs renommés qui du coup font un point de vue ou présentent un état des lieux de la recherche, mais eux-mêmes ne conduisent pas de recherche spécifiquement dédiée aux effets des écrans. Vous voyez, il y a, par exemple, la plupart des auteurs français, personne n'a publié d'articles scientifiques dans des revues à comité de lecture sur les effets des écrans, à ma connaissance. Voilà. Et puis, il faut différencier des journaux de diffusion de la connaissance, typiquement style, je ne sais pas moi, je lis régulièrement Sciences humaines, Cerveau et Psycho. Là, c'est des magazines de diffusion de l'information mensuelle. Et puis, vous avez des revues scientifiques qui, là, les chercheurs soumettent un article basé sur des recherches depuis plusieurs années. Il y a des expertises qui sont produites par des pairs, c'est-à-dire d'autres chercheurs d'autres pays qui donnent leur avis. Et puis, suivant la renommée des articles, eh bien, il y a des revues qui ont des impacts facteurs, qui ont des impacts très forts. Donc là, l'idée de ce soir, c'est de vous présenter que dit la recherche, mais issue de papiers, d'articles scientifiques publiés dans des revues à comité de lecture, et pas du tout ce que disent, ce que disent les magazines ou des livres. Là, mes collègues ont la même base, c'est-à-dire dans les livres, on se fonde sur des articles. Après, c'est l'interprétation, la généralisation qu'on va faire, qui peut être discutée. Donc là, l'idée, c'est vraiment de vous faire le point sur ce qu'on dit sur les effets des écrans à partir de données de recherche scientifique ultra récentes. Voilà. Et vous allez voir que c'est complexe et que c'est pas tranché, c'est pas noir et blanc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué que ce qu'on imagine. Et du coup, ça va inviter évidemment les chercheurs à travailler là-dessus. Et puis vous verrez, il y a aussi beaucoup de. Donc ça, c'était pour discuter des livres. Deuxièmement, vous avez vu dans les petites vignettes, vous avez mis jeux vidéo, 9 bienfaits étonnants sur le corps et la santé. Les nouvelles études montrent que les bienfaits du jeu vidéo sur le cerveau. Vraiment, c'est vraiment des choses qui sont, comment dire, juste pour
faire du buzz ou intéresser le lecteur. Là, on est d'accord qu'on va vous parler de recherche qui parle de psychologie, c'est-à-dire d'études comportementales. Évidemment qu'il y a une modification du cerveau, mais on ferait des gens, un apprentissage pour faire n'importe quoi, le cerveau est forcément modifié, donc ça c'est évident. Et on ne va pas parler de jeux vidéo ici, on va plutôt s'intéresser aux effets des écrans sur le développement des jeunes enfants. Donc c'est un autre champ de recherche où il y a beaucoup de collègues qui étudient les effets positifs et négatifs des jeux vidéo. Alors c'est surtout à l'adolescence et c'est surtout chez les adultes, parce que là il y a tout un tas de problèmes éthiques, parce que la plupart de ces jeux sont réservés typiquement à partir de 16 ans ou 18 ans. Donc d'un point de vue éthique, ils ne sont pas étudiables chez les jeunes enfants. Donc, vous voyez, d'une part, on se fonde sur des articles scientifiques récents. D'autre part, on ne va pas traiter les jeux vidéo, mais on va traiter vraiment les écrans chez les jeunes enfants, puisque éthiquement, on a le droit de le faire. Et puis, dernièrement, vous verrez tout à l'heure, on va vous faire une sélection d'articles scientifiques et on va se baser sur ce qu'on appelle des méta-analyses. Donc, c'est-à-dire des chercheurs qui compilent les données d'autres chercheurs pour dire « voilà ce qu'on sait ». Est-ce que c'est voilà un peu le cadre de cette affaire-là? Donc, slide suivante. Voilà, donc je reprends un peu le tour de parole. Bonsoir à tous. Donc, comme Edouard l'a dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions qui vont se faire autour de ce terme d'écran, finalement. Mais je pense que la première question qui va être importante à se poser, c'est qu'est-ce qu'on entend derrière le mot « écran ». Il y a quelques années en arrière, ben, c'était assez clair qu'on parlait quasiment uniquement de la télévision, principalement en tout cas de la télévision. Les premières études qui ont été menées se sont vraiment basées là-dessus. Mais avec l'avancée des nouvelles technologies, ben, il y a de plus en plus d'écrans dans notre quotidien et des petits écrans qui vont être aussi portables. On va retrouver par exemple les ordinateurs, les tablettes, les smartphones, tout ce qui va être aussi console de jeu, qu'il a très bien introduit tout à l'heure. Et puis aussi quelques écrans qu'on ne pense pas nécessairement, comme les liseuses ou les montres connectées, mais qui font aussi partie de notre quotidien. Et puis du coup, l'année dernière, quand on a commencé l'étude sur laquelle actuellement je fais mon doctorat, on a lancé une grande enquête en ligne dans laquelle on s'intéressait finalement à l'équipement en foyer, en écran des foyers, et puis aussi comment les enfants utilisaient les écrans. Et puis c'est vrai que là, on a vu qu'en général, dans un foyer de 3 personnes, donc où il y a 2 parents et un enfant, il y avait une moyenne de 7 écrans. Et puis si on regarde, en général, il y avait 2 smartphones et puis à peu près 2 ordinateurs en moyenne, une télévision et après d'autres écrans divers. Mais donc, on voit que ce n'est plus juste une télévision et puis un téléphone fixe comme il y avait, par exemple, 20-30 ans en arrière. Mais c'est vrai que maintenant, les foyers sont très équipés. On a même vu que 98% des foyers étaient multi-équipés, donc qui possédaient plus de 1, 2, 3, voire 4 écrans. Donc, c'est vrai que la moyenne par écran est par foyer en écran est vraiment très importante. Comme il y a de plus en plus d'écrans dans les foyers et qu'on est quand même dans un monde qui va être un peu hyper connecté, il y a aussi une exposition qui va être de plus en plus précoce dans le développement de l'enfant. Quand on a posé les questions aux parents par rapport à l'utilisation des écrans par leur enfant, on a vu qu'en moyenne, un parent estimait que le premier contact visuel de l'enfant avec un écran s'est fait environ à l'âge de 9 mois. Donc ça, c'est du point de vue du parent, bien évidemment. Et qui leur donne même la permission de regarder un écran de manière intentionnelle, donc par exemple un smartphone ou un petit dessin animé à la télévision, à l'âge de 17 mois déjà en moyenne. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on peut voir, si on compare en fait les chiffres que nous on a récoltés en 2021 par rapport aux chiffres que Bertomi et Octobre ont récoltés par rapport à une étude de cohorte en 2013, c'est les différents écrans qui sont utilisés. Donc, il y a autant d'enfants qui utilisent les écrans et en moyenne, l'âge de la première exposition est plus ou moins le même, un petit peu plus tôt maintenant, mais plus ou moins, il reste semblable. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que maintenant, il y a beaucoup plus d'écrans portables, comme par exemple les smartphones qui sont utilisés, à 82%, on a trouvé ça, nous, alors qu'en 2013, c'était plutôt 26%. Et il y a vraiment eu ce switch avec la télévision, où avant, la télévision était regardée à peu près à 87-90% par les très jeunes enfants.
et maintenant c'est plutôt 60%. Il y a aussi une petite augmentation de l'utilisation de l'ordinateur et puis maintenant l'utilisation des tablettes et des jeux éducatifs électroniques. Et puis du coup, ben, comme on peut voir, les enfants ben, ils vont utiliser plus de tablettes, plus de smartphones, tous ces petits écrans qui vont être portables et du coup utilisables un peu plus facilement partout. Ce qui va faire aussi que l'exposition aux écrans va être de plus en plus longue parce que ben justement, ces écrans sont disponibles un peu à n'importe quel moment de la journée. Et en général, les études s'accordent à dire que la majorité des enfants de moins de 3 ans sont exposés aux écrans plus de 6 jours par semaine, donc presque tous les jours de la semaine, finalement, entre 30 minutes et 3 heures par jour. Ça va dépendre un peu des études, des pays dans lesquels elles sont menées et de la manière aussi dont on a récolté les données. On vous parlera un peu plus tard des différentes méthodes de mesure possibles, mais vous verrez que ça peut un peu changer finalement les réponses qui sont données par les parents et du coup aussi les temps d'exposition rapportés. Ce qu'on peut voir dans l'étude qu'on a menée, nous, du coup, en 2021, c'est qu'à moins d'une année déjà, les enfants étaient exposés en moyenne aux écrans 15 minutes par jour. Et puis ensuite, entre un an et deux ans et demi, il y a une sorte de stabilité qui s'est installée avec une moyenne à peu près rapportée par les parents toujours, entre 20 et 25 minutes par jour. Et puis à partir de deux ans et demi, là, on a un peu un pic, une grande augmentation où on va arriver à peu près à 40-45 minutes par jour d'exposition aux écrans. Ce qu'il faut savoir et qui est quand même important à noter, c'est que finalement, cette exposition, c'est vraiment l'exposition directe qui est rapportée par le parent. Donc, le moment où le parent va donner peut-être intentionnellement son smartphone ou mettre la télévision ou un dessin animé sur YouTube ou quelque chose comme ça. Donc, ça ne prend pas nécessairement en compte tout ce qui va être de l'exposition indirecte. Donc, c'est vraiment l'exposition finalement de l'enfant à travers l'utilisation du parent. Et comme on voit par exemple sur la petite image ici. Et puis, il faut quand même savoir que 86% des parents ont affirmé passer du temps devant leurs écrans en présence de leur enfant. Donc, on peut quand même penser que finalement, ces temps d'exposition sont bien supérieurs à ceux qu'on a retrouvés. Et puis, il y a aussi eu une grande augmentation liée au COVID-19 et aux périodes de confinement où du coup, les personnes ben, étaient enfermées à la maison, devaient travailler depuis la maison aussi, essayer de garder contact avec les personnes qui leur étaient proches. Et puis finalement, en passant toute la journée à la maison, on va peut-être plus facilement être tenté de dire « Ok, alors cet après-midi, on regarde un film, ou on regarde un petit dessin animé ou pour occuper l'enfant. » Donc, c'est vrai que plusieurs études ont aussi mis en évidence une augmentation du temps d'exposition pendant les périodes de confinement. Et puis, ce qui est important aussi à savoir, c'est que finalement, cette exposition, bien souvent, c'est un enfant qui va être seul devant son écran et qui va le regarder un peu de manière passive. On a en moyenne seulement 50% des parents de notre échantillon qui ont affirmé regarder la télévision avec leur enfant. Donc, ça veut quand même dire qu'une moitié seulement regarde finalement la télévision de manière accompagnée ou bien le smartphone ou tout autre écran. Et puis, lorsqu'on a demandé aux parents qu'est-ce que c'était pour eux la définition finalement d'un visionnement qui était accompagné, c'est seulement pour 15% des parents où c'est un co-visionnement qui va se faire de manière interactive, où le parent va pointer ce qui se passe à la télévision, expliquer les contenus. Pour les autres parents, regarder la télévision avec son enfant signifiait être assis par exemple sur le canapé à côté de lui. Donc finalement, c'est quand même un peu une exposition où l'enfant est seul. Et bien souvent aussi, les parents ont affirmé même eux utiliser ben, les écrans comme finalement une sorte de babysitter qui leur permet aussi de se libérer du temps pour s'adonner aux tâches ménagères, pour aller prendre une douche, pour vite faire un téléphone ou quelque chose d'autre. Alors, du coup, voilà. Et du coup, ben, vous allez voir maintenant les différentes méthodes aussi de mesure pour récolter les données et comment on peut finalement mener une étude sur les écrans. Alors voilà, c'est très important de connaître les modalités de preuves qui ont été obtenues par les chercheurs. Je vous ai dit déjà, il y a très peu d'équipes francophones à ma connaissance qui étudient directement les effets des écrans sur le développement psychologique. C'est plutôt beaucoup de collègues, d'autres collègues européens ou des collègues anglo-saxons. Et il y a plusieurs méthodes expérimentales qui sont disponibles. Et vous allez voir que, eh bien, il y a des choix. C'est très important de connaître les conditions de production
de résultats, parce que du coup, ça peut nous aider à avoir une perspective plus ou moins critique et d'être attentif. Alors, évidemment, il faut éviter le biais que quand, par exemple, on a un résultat qui ne va pas dans ce qu'on pense et qui est contraire à nos intuitions, on va chercher tous les petits détails de la recherche qui ne va pas, parce que ça ne va pas exactement dans notre sens. Et puis, quand c'est une étude qui est qui va bien dans le sens de ce qu'on pense, du coup, on dit c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc, vraiment, il faut essayer d'avoir une attitude critique et puis de se placer aussi dans la condition des chercheurs qui conduisent ce type de recherche. C'est extrêmement compliqué. C'est pour ça qu'il y en a très peu. Parce que vous allez voir que on fait, le chercheur, l'équipe de recherche doit faire des choix méthodologiques qui vont conduire automatiquement à des contraintes, à des limites qui sont inhérentes à la méthode. Et alors, typiquement, vous avez la première chose qu'on peut faire, c'est déjà le questionnaire, c'est-à-dire de demander aux différentes personnes, on leur pose un questionnaire, c'est comme un sondage, une enquête, et puis c'est eux qui déclarent ce qu'ils pensent, ce qu'ils font. Et vous voyez déjà ce problème-là, c'est déjà de se dire, bon, on demande à combien de personnes et est-ce que ces personnes ont une estimation fiable? Donc, vous voyez que là, le côté subjectif et auto-rapporté peut induire certains biais dans les réponses. C'est-à-dire, vous voyez, si vous voyez des chercheurs qui vous disent, alors, vous avez des enfants avec votre enfant, combien de temps vous mettez la disposition de la tablette, est-ce que la télé est accessible et tout ça, vous pouvez avoir des biais de désirabilité sociale, de dire quelle image je vais donner aux gens qui m'interrogent sur comment j'éduque mes enfants. On peut avoir des erreurs de mesure, vous voyez, donc c'est un des problèmes, mais le questionnaire, c'était partie des outils disponibles, parce que si on doit interroger des centaines de personnes, eh bien on n'a pas tellement le choix d'aller interroger sur les pratiques familiales ou pratiques éducatives. Alors, c'est très utile, beaucoup de gens le font, la plupart des chercheurs vont utiliser des questionnaires, c'est simple à remplir, c'est pas intrusif, c'est-à-dire qu'on va pas dans la famille, on met pas des capteurs. Donc, les gens ont relativement confiance dans le processus, mais voilà, vous voyez, avantages, inconvénients. Vous pouvez aussi avoir la technique de l'agenda. Donc là, vous pouvez demander aux gens, en temps réel, de remplir ce qu'ils sont en train de faire. Vous avez toujours le même problème, puisque c'est les personnes qui remplissent, eh bien, vous pouvez avoir des biais de désirabilité sociale. Vous pouvez avoir des biais, vous voyez, est-ce que là, d'un coup, j'ai bien rempli mon agenda? Est-ce que c'est vraiment représentatif des habitudes de consommation? Parce que puisque je sais que je dois remplir en temps réel mon agenda, du coup, est-ce que c'est comme ça? Ça se passe dans les autres moments de l'année. Vous voyez un peu la difficulté. Et ça, le chercheur, il faut bien qu'il mesure ce fameux temps d'écran. Et quel écran, comme a dit Estelle. Ah, du coup, voilà. Vous pouvez avoir des systèmes d'enregistrement. Alors, soit sur la télévision. Alors là, on a l'impression que c'est plus objectif, quantifiable. Vous pouvez avoir sur le smartphone, il y a des recherches là qui sortent où ils ont fait des capteurs qui permettent d'enregistrer. Et vous voyez après tous les problèmes éthiques de contrôle, d'enregistrement de toute l'information. Et vous pouvez, donc si vous mettez des capteurs, par exemple, les chercheurs avaient fait sur des capteurs sur la télévision. Vous avez à distance, vous pouvez récolter le nombre d'heures que la télé est allumée. Mais vous ne savez pas si la télé est allumée correspond au temps d'exposition à l'écran. C'est-à-dire que quelqu'un regarde la télé est tout le temps allumée, mais peut-être que les gens ne font que passer devant. Et puis, comment faire avec tous les autres écrans disponibles dans la famille? Vous voyez, donc, on voit que ces systèmes d'enregistrement, à part imaginer un Big Brother général où tout serait enregistré et filmé, ce qui est impossible d'un point de vue éthique puis inintéressant, eh bien, du coup, c'est difficile d'avoir une... Voilà. Donc, il faut faire procéder par échantillon, procéder par des techniques complémentaires pour avoir une vue, puis reproduire et conduire beaucoup d'études pour avoir une estimation de quelles sont les tendances, les temps d'exposition. Il y a des collègues aussi qui peuvent aller faire des observations directes. Alors là, c'est totalement écologique, c'est-à-dire on voit exactement les consommations d'écran dans une famille. Mais vous pouvez avoir, c'est très invasif, vous ne pourrez pas faire des centaines et des milliers de personnes qui participent à votre étude. Si vous avez sur des effectifs de 500, 1000 des cohortes, voyez bien qu'on est obligé, voilà, donc de faire à distance ou de demander aux gens de remplir, mais on ne pourra pas faire
sur place des mesures directes de, ce qu'on, de comment est la consommation d'écran. Donc, vous voyez, toutes ces mesures sont difficiles. Donc, il faut bien avoir ça en tête sur comment déjà les chercheurs ont recueilli l'information sur cette fameuse consommation d'écran, entre guillemets. Ensuite, quand vous avez récolté cette consommation d'écran, vous avez un deuxième défi, c'est de savoir sur quoi vous voulez, enfin, vous voulez étudier quelle dimension psychologique de l'enfant. Est-ce que vous voulez faire sa dimension cognitive, sa dimension alors attentionnelle, mémoire de travail, fonction exécutive, sa dimension affective ou sa dimension sociale. Vous voyez que dès que vous allez faire un choix de dimension psychologique, eh bien, du coup, vous allez dire, bon, bah, alors maintenant, quel instrument de mesure j'ai pour qualifier ou donner un indice de développement. Et donc là, le chercheur va devoir être pragmatique et puis dire, bah, qu'est-ce que je vais prendre comme mesure pour établir le niveau de développement de l'enfant et puis sur quel domaine. Vous voyez déjà toute la complexité. Si vous décidez de faire une expérience sur 50 enfants, ce n'est pas du tout la même chose que si vous êtes sur des 1000 enfants. Plus vous aurez un échantillon élevé, plus vous avez de données, mais plus ça doit être sur des données qui soient récoltables à grande échelle. Et donc, du coup, le genre du questionnaire en ligne, des Qualtrics, ou récolter déjà d'autres données qui sont faites par d'autres chercheurs. Vous voyez, c'est la grande difficulté. Ensuite, une fois que vous avez d'un côté ces informations sur les écrans et leur consommation, d'autre part, d'une part, puis la deuxième type de données, c'est ben, le développement psychologique de l'enfant que j'ai choisi d'étudier. Rarement les auteurs utilisent toutes les dimensions, hein, évidemment. Eh bien, comment je vais traiter ces données? Et vous avez plusieurs, ce qu'on appelle méthodologie expérimentale. La première grande méthodologie, et beaucoup des recherches se fondent là-dessus, ce sont surtout des études corrélationnelles, c'est-à-dire qu'ils essayent de trouver la force du lien qu'il y a entre ces deux variables. Et ça, c'est un traitement statistique qui existe depuis un siècle, qui est bien établi, qui montre que, par exemple, si quand j'étudie une variable A, si j'ai des scores très élevés dans la variable A, eh bien, j'ai des scores très élevés dans la variable B. Il y a c'est une corrélation qui tend vers 1. La relation est totalement inverse si ça tend vers moins 1. Et quand ça tend vers 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de relation entre les deux. Et beaucoup de recherches vont étudier la relation qui existe entre le temps d'exposition à un écran et le déséléments du développement cognitif ou affectif des enfants. Simplement, une fois qu'on a établi qu'il y a une corrélation significative entre ces deux variables, on ne sait pas qui est la cause de quoi. Le principe même des études corrélationnelles, c'est d'étudier la force du lien entre les deux, mais c'est tout. On ne sait pas, par exemple, le problème qui a été soulevé par les collègues dans leur article dans le Journal of Communication, qui dit, ben voilà, je peux visionner des contenus violents, ça peut influencer mes capacités attentionnelles, mais je peux très bien avoir des capacités attentionnelles qui influence le visionnement de contenu violent. Et puis, je peux même avoir d'autres facteurs qui sont confondus et qui pourraient influencer à la fois le visionnement des contenus violents et les capacités attentionnelles parce qu'il y aurait un facteur caché derrière. Donc, on voit que ces études corrélationnelles établissent un lien entre deux variables, par exemple une consommation d'écran et un certain type de comportement violent ou des capacités attentionnelles ou ce que vous voulez, ce que vous avez décidé, mais on ne sait pas qui est responsable de quoi. Et ces études corrélationnelles ne permettent pas de déterminer. Alors, on a tous envie de trouver une cause, d'établir un lien causal parce qu'on a envie de trouver une explication, mais en fait, pas du tout. Si les chercheurs n'ont utilisé comme outil que des études corrélationnelles, c'est-à-dire un lien entre les deux, on ne peut absolument rien conclure d'autre. Du coup, d'autres méthodes sont disponibles, mais c'est des méthodes extrêmement coûteuses. Les méthodes corrélationnelles, elles sont beaucoup utilisées parce que c'est très facile à étudier. Vous, par exemple, vous lancez à distance par Qualtrics, vous pouvez avoir des milliers de réponses sur Internet. Vous demandez d'une part à des parents
d'évaluer leur consommation d'écran de leurs enfants, d'autre part, d'évaluer par exemple, leur niveau de régulation émotionnelle. Les parents remplissent les deux, et puis vous voyez si ça corrèle pour le même enfant. Mais on ne sait pas qui est la cause de quoi. Du coup, les chercheurs utilisent les études longitudinales. Et ça, c'est beaucoup plus coûteux parce que c'est la même cohorte qui est étudiée à plusieurs moments. Ça suppose typiquement qu'on suive les enfants dans le temps. Par exemple, là, vous avez dans une revue, la JAMA Pediatrics, des enfants qui sont étudiés à 24 mois, à 36 mois, puis à 60 mois. C'est les mêmes enfants qu'on étudie. Donc, vous voyez, le travail, c'est déjà une thèse entièrement, puisqu'on suit les enfants au cours de leur développement. Et à chaque fois qu'on fait des temps de mesure, eh bien, on recueille les deux types d'informations, à la fois la consommation d'écran et à la fois, par exemple, un score de développement. Donc, vous voyez qu'en plus, il faut que les scores de développement soient pertinents en fonction des âges qu'on étudie. Et là, grâce à des traitements statistiques plus perfectionnés, on arrive, grâce à cette étude longitudinale, à pouvoir faire émerger s'il existe des facteurs qui, par exemple, au premier temps, par exemple à 24 mois, pourraient expliquer des comportements, pourraient prédire statistiquement des comportements à 36 mois, ou si des comportements à 36 mois pourraient prédire des comportements à 60 mois. C'est tout l'intérêt des études longitudinales. Alors, je suis désolée de vous interrompre, parce que c'est très intéressant, mais en fait, il nous reste 5 minutes. D'accord. Alors, on va accélérer. Mais ça va vite, alors, en fait. Vous inquiétez pas. Alors, après, vous avez des analyses de médiation statistique, où là, on essaye de faire des liens entre les trois types de variables, et puis, on essaye d'extraire est-ce qu'il y a des variables qui font des médiations en certains facteurs. Et puis, enfin, quand tous les chercheurs ont conduit toutes ces analyses, eh bien, on combine l'ensemble de ces résultats et on produit ce qu'on appelle des méta-analyses. Donc, moi, je conseille vraiment à tous les auditeurs de se fier plutôt aux résultats des méta-analyses, puisque eux ont l'intérêt de combiner tout ce qui existe dans la littérature scientifique. Et là, quels sont du coup les résultats? Voilà, donc il n'y a pas encore énormément de méta-analyses qui ont été menées, surtout pour les enfants en bas âge, parce que ben voilà, comme il l'a dit, c'est assez compliqué de mener quand même des études scientifiques de grande envergure, mais on retrouve quand même principalement des études qui se sont intéressées aux liens entre les écrans et le développement du langage. Et là, on a une méta-analyse qui est sortie en 2020, dans laquelle les auteurs ont pu compiler 42 études et puis ils ont retrouvé différentes corrélations, donc différents liens, des liens négatifs et des liens positifs. Donc des liens négatifs avec la durée totale d'exposition, donc on revient toujours un peu à cette durée, où ils ont montré que finalement, plus les enfants étaient exposés longtemps aux écrans chaque jour, moins bon allait être le développement de leur capacité langagière. Et puis on retrouve aussi ce problème, si on peut parler de problème, avec la télévision qui va être allumée en bruit de fond, parce que souvent, en fait, elle va désengager le parent de la conversation qu'il va avoir avec son enfant. Et puis après, il va avoir plus de peine à se remettre finalement dans les boucles d'échange. Il va avoir un vocabulaire qui est moins riche et par conséquent, ben, le vocabulaire de l'enfant va aussi être touché. Mais heureusement pour nous, on retrouve aussi des liens positifs. Par exemple, avec l'âge de la première exposition, donc plus l'enfant va commencer à regarder les écrans tardivement, meilleur sera le développement de ses capacités langagières. On retrouve aussi un lien avec le covisionnement. Donc là, en fait, c'est si le parent va regarder les écrans avec son enfant, pointer, nommer les objets, le contenu, en parler, eh ben, ça va permettre le développement des capacités langagières de l'enfant parce que finalement, il est quand même dans une interaction, même s'il est devant les écrans. Et puis également avec les programmes à visée éducative. Après, c'est quand même des corrélations qui restent assez faibles, mais finalement, c'est des résultats qui sont significatifs. On retrouve aussi un lien entre les écrans et le développement socio-affectif de l'enfant. Là, ça va surtout être à travers l'utilisation des écrans par le parent. La moyenne d'heures à peu près par les parents passées par jour pour une consommation récréative, donc pas par rapport aux heures de travail, vraiment pour s'amuser, pour le divertissement, pour rester en contact avec autrui, c'est entre 4 et 5 heures en moyenne par jour. Donc forcément, c'est souvent en présence de l'enfant.
Et puis du coup, imaginez quand vous êtes par exemple au restaurant avec des amis et tout d'un coup, quelqu'un prend son téléphone pour répondre à un message, son visage, il va devenir impassible, il va devenir un peu fermé, il va plus vraiment vous écouter, vous allez plus pas vous sentir forcément très à l'aise. Je pense qu'on a tous déjà ressenti un peu ça. Maintenant, imaginez un enfant de 2 ans qui est en train de jouer avec son parent, qui tout d'un coup va prendre son téléphone et avoir la même réaction. Eh bien, l'enfant, il n'a pas derrière le bagage pour comprendre qu'est-ce que c'est ce téléphone, pourquoi ça attire l'attention du parent. Il ne va pas comprendre à quoi ça sert. Et du coup, c'est vrai que ça peut amener chez lui beaucoup d'anxiété. Donc, quand il y a ces coupures interactionnelles, on parle de technoférence parentale. Et puis, il a été montré forcément que plus les parents allaient utiliser les écrans en présence de leur enfant, plus il y allait y avoir de la technoférence. Et puis, du coup, ça peut conduire à des problèmes internalisés, justement parce que l'enfant, ben, il ne va plus se sentir écouté, il va peut-être développer aussi un peu de l'anxiété, comme c'est le cas dans le paradigme du still face, que vous connaissez déjà peut-être. Et puis aussi à des problèmes externalisés, parce que souvent, l'enfant, il va chercher à attirer l'attention de son parent, reprendre cette attention sur lui, et puis du coup, adopter peut-être plus de comportements à risque. Voilà, du coup, vous voyez qu'en fait, il y a 2 grandes méta-analyses chez les enfants qui sont produites, il n'y en a pas d'autres. Donc, il faut du coup se garder d'interprétations tranchées. Il y a vraiment une approche qualitative et mesurée de ce phénomène-là. Il y a typiquement, ben, on voit bien, il faut être très prudent parce qu'on a vraiment une question de la mesure de ces fameux temps d'écran. On a vraiment beaucoup de recherches qui étudient les corrélations et pas les causalités. Et il y a tout un tas de facteurs confondus dont certaines recherches montrent qui contribuent et qu'on a du mal à extraire par rapport à l'ensemble des autres facteurs, comme par exemple l'accompagnement parental, sa qualité, le style, comment on accompagne l'enfant. La nature des contenus, on n'a pas tellement accès parce que vraiment, on regarde les enfants, mais pour de vrai, parce que les parents déclarent. Et puis, vraiment, le rôle aussi qu'on néglige souvent et qui est beaucoup, qui a l'air aussi très important, la fratrie, le système familial, qui fait que, évidemment, il y a une influence des pratiques des écrans quand on a des enfants, des frères et sœurs plus âgés. Est-ce que j'ai encore 2 petites minutes si on peut... Ouais, conclusion perspective. Parfait. Alors, du coup, comme on a pu voir, c'est encore quand même compliqué de mener des études sur les écrans. Il y a encore peu de données sur les enfants entre 0 et 3 ans. Mais malgré ça, il y a quand même besoin de mettre en place des recommandations, de pouvoir guider le parent aussi dans l'usage des écrans, puis qu'il sache un peu quoi faire et comment faire avec tout ça. Donc, l'American Academy of Pediatrics, elle fonde ses recommandations sur un principe de précaution, donc vraiment en essayant de limiter un maximum les écrans. Et elle va préconiser de proscrire toute exposition avant l'âge d'une année et demie, à l'exception des appels vidéo. Ça vient d'être mis en fait en vigueur parce qu'on s'est rendu compte justement avec le Covid, le confinement, que beaucoup de personnes restaient aussi en contact comme ça. Et à travers les appels vidéo, finalement, il y a aussi des boucles d'échange qui peuvent se faire pour l'enfant. Et puis ensuite, de limiter le temps d'exposition au maximum, tout en favorisant du coup un accompagnement parental adapté au cours du visionnement à chaque fois que c'est possible. Donc, pas forcément tout le temps, mais essayer vraiment un maximum d'être avec son enfant pendant qu'il est devant les écrans, d'utiliser vraiment ça comme une activité à réaliser à 2, à 3, à 4, plutôt que les écrans comme babysitter. Malheureusement, on a vu que les temps d'exposition, ils sont quand même encore largement dépassés, puisque même les enfants à moins d'une année regardent à peu près 15 minutes par jour les écrans. On a aussi vu que souvent les écrans étaient encore utilisés comme babysitter, que les parents ils utilisaient ça pour pouvoir un peu se libérer du temps et que les enfants étaient laissés seuls devant ces différents écrans. Et puis ce qu'on a aussi recueilli, c'est que finalement ces recommandations, elles sont très culpabilisantes pour le parent qui a quand même de la peine finalement à réussir à les suivre, et souvent il se sent un peu attaqué quand on dit pas d'écran. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on ne disait même pas d'écran avant l'âge de 3 ans. Ça, c'était vraiment très difficile à suivre pour le parent. On a aussi beaucoup parlé avec des professionnels de la petite enfance, des éducateurs, et aussi disent ressentir cette culpabilité chez le parent parce que c'est vraiment un sujet qui va être un peu tabou quand l'enfant arrive, par exemple, en crèche, dans les structures d'accueil.
où souvent on parle de tout, on parle de la nourriture, du change, des temps de sommeil, donc des choses de la sphère privée, mais jamais des écrans. Donc, en lien avec ça, on s'est dit que ça pouvait être intéressant finalement d'essayer de multiplier les données qui existaient sur le lien entre les écrans et le développement de l'enfant à différents niveaux du développement de l'enfant. Et puis, avec ça, de développer du matériel de prévention en lien avec la réalité des familles et avec ce sentiment finalement que les parents pouvaient avoir de culpabilité. Et pour ça, on collabore maintenant avec la Fondation Action Innocence à Genève, qui a mandaté et qui finance cette recherche, dans laquelle on s'intéresse aux effets des écrans sur le développement des compétences multisensorielles et des interactions précoces chez les très jeunes enfants, donc entre 6 et 36 mois. Et puis à côté de ça, on essaye d'utiliser vraiment les données pour développer du matériel de prévention, pour sensibiliser les parents à cette thématique, mais sans être culpabilisant. Donc là, on n'aura vraisemblablement pas le temps de vous la montrer, mais vous trouverez les liens, une version courte de 3 minutes et une version longue de 12 minutes d'une vidéo qu'on a déjà créée du coup, en collaboration avec la Fondation Action Innocence et qui appartient du coup à la Fondation. C'est vraiment un petit film dans lequel en fait, on voit plusieurs scènes du quotidien, donc des moments de change, des moments d'allaitement, plusieurs moments qu'on peut partager avec son enfant, où on essaye de mettre vraiment en avant tous les petits moments clés que le parent peut partager dans l'émotionnel et vraiment les moments privilégiés à vivre avec son enfant sans les écrans. Mais je vous laisserai découvrir de votre côté. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous pour cette présentation très claire, étayée, nuancée, pédagogique. Et première hein, de mener une étude sur le sujet. Donc, on va maintenant laisser la place aux questions. Louis-Adrien et Vincent vont pouvoir faire remonter un certain nombre de questions. Peut-être plus parce qu'il y en a eu beaucoup. Oui, beaucoup de questions qui arrivent et qui continuent à arriver. En tout cas, voilà, ça suscite beaucoup d'interrogations. Bon, je crois que tout le monde a bien compris hein, l'absence de lien entre corrélation et causalité. Corrélation n'est pas causalité, mais pourtant, les questions sont aussi beaucoup de ce côté-là. J'en extrais une. D'après vous, existerait-il des effets différenciés entre regarder un smartphone ou un film en famille, la télévision, finalement, est-ce que les différents supports changeraient les effets sur le développement des enfants? Alors, il n'y a pas d'étude. Vous voyez, il faut bien différencier ce que dit la recherche avec tous ses critères et ses contraintes, et puis ce qu'elle peut répondre comme, ce qu'elle peut faire comme étude, parce qu'elle peut faire des choses, mais elle ne peut pas faire des choses. Par exemple, si vous vouliez étudier, est-ce que la cigarette est nocive chez les enfants de 5 à 8 ans. On voit bien que ce n'est pas possible à étudier. Il y a des contraintes éthiques. Là, on ne peut pas mettre des caméras partout et des capteurs partout chez la famille pour savoir exactement ce que fait un enfant ou un parent quand il regarde son smartphone ou la télé ou l'iPad. Et du coup, quel est le regard? Vous voyez, le parent, est-ce qu'il regarde en même temps la même chose ou il fait autre chose? Et donc, du coup, il faut bien différencier ce qui est possible de faire du point de vue de la recherche et puis ce qui est vous en tant que professionnel, si vous êtes professionnel en pratique ou typiquement les parents avec leurs enfants. Il faut bien différencier, il y a le bon sens, vos principes éthiques, votre idée que vous faites de l'éducation, et ça c'est extrêmement important c'est ça qui va piloter votre choix et la façon d'éduquer votre enfant. Après, les chercheurs ils sont là pour vous éclairer, pour vous proposer des données, mais pas pour vous dicter ce qu'il faut faire. Alors, et puis typiquement, est-ce qu'on peut savoir s'il y a des effets films? Vous voyez, parce que vous voyez, quand vous dites « je regarde un film en famille versus je regarde mon smartphone », il y a plusieurs variables qui sont mobilisées là-dedans. Effet du film sur la télé en famille, ça veut dire que vous êtes en train de tous regarder, partager un moment commun et peut-être de commenter. Smartphone, vous pouvez faire la même chose. C'est pas très pratique de regarder un film à 5 sur un smartphone, mais il y a des adolescents qui le font très bien. Ça dépend, en fait. Vous voyez, c'est difficile de répondre à cette question parce que concrètement, au niveau recherche, c'est impossible à mettre en œuvre. Parce que là, ça supposerait des conditions expérimentales, en fait, impossibles à proposer aux gens. Donc, en fait, je ne peux pas répondre, mais même déjà en disant
télé en famille versus smartphone, vous, implicitement, vous dites, ben, la télé, ça peut être à plusieurs parce que c'est comme aller au cinéma, mais j'ai le droit de parler pour la télé en famille. Alors, au cinéma, je n'ai pas le droit de parler. Tandis que le smartphone, vous faites l'hypothèse que c'est plutôt une activité individuelle. Mais voilà, il faudrait être, il faut proposer des conditions qui sont strictement équivalentes. C'est-à-dire, il faudrait la télé tout seul versus le smartphone tout seul. Est-ce qu'il y a un effet spécifique ou pas? Eh bien, il n'y a pas eu de recherche à ma connaissance sur les effets de l'enfant. Et on peut supposer que les usages et les pratiques qui vont être faits par les enfants au moment du smartphone ou de la télé, ben, sont très différents et puis et donc possiblement peuvent influencer le développement de l'enfant. Mais j'ai pas de, à ma connaissance, on n'a pas d'argument de chercheurs qui auraient étudié ça avec les canons de la science expérimentale. Donc, désolé de ne pas donner des réponses tranchées, mais je ne peux pas vous dire plus. Voilà. Merci. On a justement beaucoup de questions autour des liens qui vont exister entre l'exposition aux écrans et pas mal de choses, hein, que ce soit la question de dans les premières années de vie sur le graphisme et l'attention de l'enfant scolarité. Il y a des gens qui nous demandent aussi sur les autismes et l'écran, sur les compétences sociales et émotionnelles. Vous y avez répondu en partie. Voilà, s'il existe des, sur des troubles ou sur des pathologies derrière. Alors, après, il n'y a pas de recherche qui montre que l'écran, chez les jeunes enfants, hein, par exemple sur l'autisme virtuel ou des choses comme ça, ce n'est pas ça qui est la cause du TSA, évidemment. Après, que ça majore et qu'un enfant qui aurait un TSA, donc qui n'a rien à voir avec l'écran, le fait que dans la famille, il y ait des usages d'écran qui soient spécifiques, plus ou moins fort, plus ou moins modulé, autorisé, régulé, voilà. Forcément, eh ben, y a certains, ça va moduler certains comportements. Ce ne sera pas la cause de ces comportements, mais forcément, tout le système familial qui va tourner autour de l'enfant, de comment on utilise l'ensemble des écrans, va influencer le comportement de l'enfant et ses interactions avec son entourage. Je ne sais pas si j'ai répondu là. Oui, très bien. Une autre question, pour reprendre un peu effectivement la complexité, on le comprend bien, hein, de mener des études de ce type. Est-ce qu'il existerait des études qui compareraient finalement l'utilisation des écrans dans des pays où cette utilisation serait moins importante? Et est-ce que ça aurait du sens d'essayer de comparer des populations moins exposées contre des populations plus grandes, plus globales et plus exposées? Ben, en fait, c'est quasiment impossible à faire parce que l'ensemble de la population a à disposition des écrans, petits ou grands. Même les personnes en situation extrême, style réfugiés, utilisent leur smartphone de façon extrêmement utile tout au long de la journée. Donc, ils sont eux-mêmes sur leurs écrans. Donc, c'est extrêmement difficile de trouver des populations qui permettraient, donc vous verrez dans la vidéo qu'on propose, c'est difficile de, voilà, c'est, maintenant on est plutôt dans la perspective de comment réguler, mais de s'extraire volontairement de ce monde numérique, ça va être difficile, ou ça le sera que quand on aura une contrainte, parce qu'on aura épuisé toutes nos ressources de la planète et on ne pourra plus fabriquer nos écrans, ou on n'aura plus l'énergie pour les faire tourner. Là, de fait, on n'aura plus nos écrans, ou ils seront limités 2 heures par jour, je ne sais pas quoi. Mais pour l'instant, tant que c'est possible, c'est extrêmement difficile de trouver des familles ou des enfants dans tous les pays qui n'utilisent jamais un seul écran. Enfin, faites le tour dans votre entourage. Interrogez-vous, vous, dans vos environnements, vous verrez, il y a des écrans partout, au travail, partout. Et à l'école, maintenant, il y a Pronote massivement partout. Donc, quasiment, ce système français, dès la 6e, maintenant, la plupart des devoirs, c'est fait par Pronote. Il y a même des choses qui sont faites maintenant dans les petites classes. Donc là, c'est pour ça que nous, on a focalisé sur ces très jeunes enfants pendant... Parce que là, on se disait, est-ce que c'est une population? Comment ils gèrent à peu près leurs écrans? Mais vous verrez, les professionnels le disent, quand vous allez en salle d'attente, quand vous êtes en consultation ou vous avez des contacts des familles, le smartphone est tout de suite... tout le monde sort son smartphone tout le temps en 2 minutes. Dès que la consultation est terminée,
on va parler, hop, tout le monde est sur son smartphone en deux. Enfin, je veux dire, c'est extra. Donc, trouver des groupes de personnes qui accepteraient de pas du tout utiliser, c'est extrêmement difficile. Là, dans la recherche qui est sortie, là, qui est dans Sciences humaines de ce mois-ci, ils ont trouvé des gens au Danemark qui acceptent de diminuer la consommation d'écran chez les 6-10 ans à 3 heures par semaine ou 3-4 heures, alors qu'ils consommaient, voilà. Et là, ils trouvent qu'ils bougent plus. Mais ils n'ont pas demandé aux gens de supprimer, parce que je pense qu'en fait, personne n'accepterait l'expérience. Ouais. Et donc là, ils ont trouvé, ils ont essayé de faire vraiment un contrôle randomisé. Ils prennent des enfants qui consomment pas mal d'écran. Et puis, il y a, pendant 15 jours, il y a la moitié au hasard à qui on demande de réduire jusqu'à 3 heures par semaine, pas plus. Puis l'autre qui continue comme avant et ils montrent qu'ils bougent un petit peu plus à la sortie. Mais ils ont accepté de faire l'expérience 2 semaines. Après, je pense aussi le problème, comme là vous disiez, peut-être en comparant avec d'autres pays qui ont moins accès aux écrans ou des choses comme ça, c'est compliqué aussi à ce niveau-là de comparer le développement de l'enfant dans ces différents pays, puis de dire que la différence vient de la présence des écrans ou de la non-présence des écrans, parce que finalement, c'est des populations qui ne sont pas du tout équivalentes. Donc, il faudrait vraiment deux groupes où un peu toutes choses égales par ailleurs, avec la présence des écrans et sans la présence des écrans. Puis ça, c'est déjà plus compliqué aussi d'avoir. Donc, je pense aussi là, la difficulté de comparer ces populations. Et c'est pour ça qu'il y a plutôt des études, comme Edouard le disait maintenant, où on tend à voir comment ça se passe quand on diminue un peu l'utilisation des écrans. Mais après, il faut quand même que le mode de vie de l'enfant soit plus ou moins pareil, la situation économique aussi, parce que c'est vrai que sinon, il y a beaucoup d'autres facteurs confondants qui vont rentrer en ligne de compte et on ne pourra pas forcément expliquer les effets par la simple présence ou pas des écrans. Ok, merci pour ces réponses. Y a également une question qui revient assez souvent, c'est quel type de matériel de prévention? Comment est-ce qu'on peut aborder ces questions-là? Par exemple, quelqu'un nous demande en consultation en CMP, comment formuler cette question aux parents sur l'exposition et sur le début de cette exposition? Vous avez vu à la fin, Estelle vous a présenté, tout le monde sait que c'est difficile. Enfin, je veux dire, c'est quand même, prendre des écrans, dès qu'on discute avec des parents, c'est quand même un sujet, et puis plus les enfants grandissent, plus c'est un sujet quand même... difficile, enfin, qui occupe les adultes qui eux-mêmes consomment beaucoup d'écran. Hein, d'accord. Et du coup, c'est pour ça, vous verrez, je vous invite à aller voir la vidéo avec qu'Action et Innocence a produite. Et vraiment, l'idée, c'était de. On comprend les contraintes parentales. Et puis, du coup, c'est de surtout pas culpabiliser le parent. Vraiment, on s'est dit que si on était sur c'est pas bien, vraiment, vous êtes des mauvais parents si vous faites ça. On pense que ce n'est pas un message qui est efficace et efficient. Il y a tout un tas d'autres recherches en politique de santé publique qui montrent que ce n'est pas parce que... Vous voyez, le tabac, enfin, il y a plein d'autres domaines où on montre que c'est pas ça qui... Ou les accidents de la route, voilà. L'idée, ce n'était pas du tout de... On mise sur prise de conscience et réflexion sur mes propres pratiques parce que du coup, j'automatise tellement mes gestes et mes pratiques quotidiennes que je ne m'aperçois plus que, par exemple... Dès que j'ai 2 minutes, en fait, j'ouvre tout de suite mon écran, qui est mon enfant ou pas mon enfant. Et c'est aussi très important que les adultes s'interrogent sur c'est quoi leur pratique aussi, eux, d'écran, quand ils sont avec leurs enfants ou qu'ils gèrent d'autres personnes. Et bien, vous verrez que, du coup, nous, tout le monde devient très consommateur et qu'il faut vraiment travailler et faire une prise de conscience ou se dire dans une démarche de attention, là, je me mets en pause. À partir de 8 heures, je fais le couvre-feu de Wi-Fi. Donc, du coup, je décide. Vous voyez, on peut, au niveau familial, les parents, ils peuvent décider de fabriquer tout un tas de règles qui correspondent à leur éthique et leur pratique de travail et des règles qui peuvent tenir sur la durée. Parce que vous savez bien que dans le système familial, il faut pouvoir proposer des choses constantes et qu'on soit sûr de tenir dans le temps. Ça ne sert à rien de d'un coup tout interdire si la semaine suivante tout est autorisé. Voilà. Donc voilà, donc vraiment prise de conscience, réflexion sur ses propres pratiques et principe de précaution et puis vraiment être pondéré et nuancé et pas tout dramatiser et pas tout interdire et y aller par petits bouts. Mais après, je dis bien, c'est des pratiques, vous voyez, c'est vraiment le point de vue du parent quand il décide d'élever son enfant, qu'est-ce qu'il va décider de proposer ou d'autoriser?
Merci. Les deux dernières questions, Louis-Adrien, Vincent. Oui, peut-être un peu dans cette continuité, on entend souvent dire, ça revient un peu dans les questions, l'idée selon laquelle finalement ce n'est pas tellement les écrans le problème, ce serait la façon dont on les utilise. Donc ça a déjà été un peu évoqué hein, parce que par certains des éléments, notamment autour du co-visionnement, qu'est-ce qu'on peut essayer de retenir des recherches dont on dispose sur une meilleure ou une moins mauvaise manière d'utiliser les écrans? Alors, il y a deux choses. Hein. Et je parle trop, il faut qu'Estelle parle aussi. Pardon. À toi, Estelle. C'est vrai que c'est beaucoup un peu ce qui ressort. Nous aussi, c'est ce qu'on va essayer de mettre en avant avec les méthodes, enfin la prévention qu'on va essayer de créer. Finalement, ce n'est pas ne pas utiliser les écrans, mais c'est vraiment guider le parent dans le bon usage des écrans. Puis c'est vrai que dans les études qui ressortent, beaucoup, on voit que voilà, il y a des facteurs confondants, mais il y a aussi des facteurs qui vont venir un peu médiatiser ce lien. Et typiquement, tout ce qui va être autour du co-visionnement et puis finalement de l'interaction entre le parent et son enfant au moment du visionnement. Et je pense que ce qui est important à retenir, ce n'est pas de bannir tous les écrans ou de ne pas les utiliser, mais c'est plutôt peut-être voir un peu l'écran comme un outil pédagogique, comme un jeu, comme une aide en fait aussi. Et puis comme ça peut peut-être permettre d'ouvrir certaines discussions, de jouer avec son enfant, d'interagir avec lui d'une manière différente qu'avec un petit jouet en bois. Donc, utiliser les écrans, oui, mais peut-être essayer de les utiliser différemment que je pose mon enfant devant l'écran et je pars faire autre chose. Après, bien évidemment que ce n'est pas du tout grave si ça arrive de temps en temps. Hein. C'est toujours une question un peu aussi de mesure et de combien de temps et dans quel moment. On ne peut pas dire à un parent, OK, vous êtes un mauvais parent parce que vous avez mis 10 minutes votre enfant devant l'écran pour aller prendre une douche. Enfin, voilà, c'est toujours un peu aussi la question de l'urgence. Qu'est-ce que le parent dans cette situation a vraiment besoin? Est-ce que si là, son enfant est 30 minutes devant les écrans, mais qu'après, le parent peut revenir vraiment s'occuper de son enfant, être bien avec lui et dans l'interaction, je pense que c'est moins néfaste finalement de faire comme ça plutôt que de rester dans une demi-interaction où personne ne se sent forcément bien. Voilà. C'est des choses comme ça. Je pense que de toute manière, au jour d'aujourd'hui, on est obligé de faire avec les écrans. Donc, essayons de faire au mieux avec ces écrans. C'est plutôt ça, je pense, qu'il faut un peu garder en tête. Et finalement, l'utilisation des écrans vient poser la question de psychoéducation. Écran ou pas, qu'est-ce qu'on fait avec ses enfants? Et même dans un monde dans lequel on enlèverait tous les écrans, par quoi on le remplace? Et comment est-ce qu'on interagit avec son enfant? En tout cas, beaucoup de questions autour de ça. Merci pour la réponse. Vincent, une dernière, si la réponse est courte. Oui, j'ai pas. Il y a des questions également sur est-ce qu'il existe des études sur les modèles d'attachement en lien avec les usages des écrans. Pas à ma connaissance, parce que en fait, il faut dire quand même que si par exemple vous étudiez les modèles d'attachement avec le test de la situation étrange ou si vous êtes sur des expériences sur les enfants jeunes. Pour l'instant, il n'y avait pas tellement de... Normalement, les écrans n'étaient pas tellement utilisés pendant les premières années. Donc, il n'y a pas de recherche. Voilà. Alors après, il faudrait étudier les modalités d'attachement sur des enfants, du coup, beaucoup plus âgés. Donc là, on va appeler aussi Mais je n'ai pas vu de recherche qui montre le lien entre un style d'attachement qui aurait été déterminé suite à des questionnaires ou des entretiens, d'une part, avec la consommation d'écran, d'autre part, chez des enfants plus âgés. Oui, c'était sûr. Je pense que la question portait également sur la qualité du lien entre parents et enfants, par exemple, la surutilisation. Ça voudrait dire qu'il faut étudier, d'une part, on pourrait prendre un panel de, je sais pas, 1000 enfants, étudier leur consommation d'écran, et puis après faire leur style d'attachement et voir si cette consommation d'écran fait qu'il n'y a pas un attachement sécure, typiquement, ou des choses comme ça. Et ça, ça n'a pas été fait, à mon avis. Non, alors moi, j'ai pas vu d'études encore non plus qui portaient vraiment là-dessus. Par contre, comme on a parlé un petit peu avec la technoférence, il y a déjà quelques études qui ont mis en lien un peu des difficultés d'attachement chez l'enfant, parce que finalement, il y avait souvent cette coupure interactionnelle où le parent n'était pas forcément disponible pour répondre aux signaux de son enfant. Et du coup, ça crée quand même un peu quelques petits problèmes après dans la création du lien d'attachement vraiment sécure, mais il n'y a pas non plus d'études encore à proprement parler qui ont défini ça comme Edouard en parlait. Mais peut-être potentiellement plutôt avec la technoférence qu'avec l'utilisation directe des écrans par les enfants.
Mais peut-être que dans l'avenir, la diminution de consommation, là, on est dans tout écran, hein. Il y a des écrans partout, vraiment, on est submergé partout des écrans. Donc, c'est très utile, nous, même dans le travail, pendant le Covid, ça a été très utile et tout ça. Mais peut-être qu'en fait, les lignes, notre modèle de développement et puis le développement durable et ses limites là qui arrivent, typiquement, si cet hiver, il y aura assez d'électricité pour faire ce genre d'exercice, eh bien, peut-être que c'est ça qui va réduire, c'est que ça va coûter trop cher de faire tant d'écrans disponibles. Et peut-être que c'est les contraintes écologiques qui font qu'au final, on aura moins de consommation d'écran parce qu'on n'aura pas la possibilité de consommer ces écrans-là. C'est une possibilité, hein. On ne sait pas trop comment on va évoluer notre société là-dessus. En tout cas, merci beaucoup. On va arrêter les questions-là parce qu'on a dépassé un peu l'heure. Merci beaucoup. Vous avez beaucoup de remerciements d'ailleurs dans le chat, hein. Vous avez pu sans doute les voir pour ces propos très clairs, hein, comme on le disait, pour cette présentation, et puis les propos nuancés qui donnent des pistes de réflexion pour les professionnels qui nous écoutent. Alors, pour clôturer cette présentation, c'est pour vous présenter le prochain webinaire qui aura lieu le 8 novembre, hein, sur le TAT avec les enfants, avec Sabine Manivoire et Caroline de Mascarel. Donc, vous pouvez vous inscrire pour ce prochain webinaire. Merci à toutes et tous, Vincent, Louis-Adrien, Robert, Édouard Jantaz et Stade Gillot. Et très bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup et bonne lecture, bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Bonsoir.